Onashuiru Pasatawanya Chipurtaudi in Belo Nornet, una gumuna d'un centu d'abitanti, aso particularità di chi di l'ultima gumuna idavagna ave una scuola a parte a paesite di andemo subito a scontra qui di chi a facini gampa. E proasine che a scuola i vellone è qui da di tutta Adavagna, uso finanziamento e assicurato da comunità di Gumuni a Costa Verde, gli è divati un arnesi strategico a vitalità di Urudio. Oggi mi sono vicepresidente della comunità di Gumuni a Costa Verde, incaricato gli affari scolari, questa scuola di Belo Nornetto è importantissima per il territorio. Dico una scuola di importantissimo per un territorio, di un affare che tutto il mondo ha ben, di sicuro. Di importante perché mantiene le scuole di paesi come Belo Nornetto e più largamente in Tavagna, perché questa è la scuola di Tavagna, infatti, di un impegno che è assai importante per la comunità di Comuna. La comunità di Comuno mette tutti i mesi che l'usore, umani, materiali e finanziari, perché questa scuola è possibile, già come l'usore, per i desideri. Siamo stati obbligati di fare una seconda sala, una seconda scuola, perché c'era di più un più zitelli. Siamo passati da 6 o 7, 15 anni fa, a 15 anni fa, a 20 ora. E l'annata che bene, no, ma sta sempre a 19, 20, 21, 21 zitelli, di un affare magnifico, perché a un momento dato questa scuola via di ore. E c'è stata una spesa di miracolo, che i giovani si sono stati in dei paesi, hanno fatto i viori e questa scuola esiste sempre. L'uno va con l'altro, ma di ci sono i giovani, per chi c'è la scuola, eccetera, eccetera. Per far di maniera che i giovani si stanno in dei paesi, di sicuro che se c'è una scuola, perché i parenti pensano ai suoi viori, ma di noi un problema più largo, di noi un problema di attrattività dei territori e chi va per l'alloggio, cioè la tua l'alloggio per questi giovani. E penso che tutti i comuni qui hanno bisogno di conoscenza di qui e cominciano a fare sforzi per proporre alloggi a questi giovani. E poi c'è l'impiego, cioè che li trovano questi giovani. Perché allora avevo l'abitudine di dire che quando una scuola chiove si muore il paese, ma dico il contrario, perché il paese si muore che chiove in una scuola. E ce la fa di maniera che niente si possa in uscire di paese, se no perdiamo il nostro tempo. Allez, les grands, on y va? A scuola di Belo Nornetto, i scolari sono anche abbastanza numerosi da essere spartiti in due classi differenti, una per i tiughi e l'altra per i maggiori, come spesso per i paesi all'interno, un numero di città di iscritti di ogni anno scrutato. Buongiorno, direttore, salute. Salute. Ça va? Ça va, oui. Alors, vous êtes donc directeur de cette école de Belo Nornetto, on est ici dans le rural, on sait les difficultés parfois qu'ont les écoles du rural à se maintenir. Est-ce que c'est le cas ici ou est-ce que l'école n'est pas menacée ? Alors, confronté à des difficultés, pas trop, parce que depuis 10 ans, on a cessé de ou augmenter ou se maintenir autour de 20 élèves. On était une classe unique et depuis 5 ans, on est deux classes. Mais cette année, c'est vrai qu'on est un peu en limite parce qu'on perd 5 CM2. Donc, il y a été question un peu de fermeture de classe, mais la communauté de communes et puis un peu de chance ont fait que 4-5 enfants arrivent, donc on devrait se maintenir à deux classes. Cyril, donc dès qu'il y a 4-5 élèves qui s'en vont et... Bah, ça fait mal parce qu'on rentre rarement 4-5 élèves. Souvent, c'est 1, 2, 3. Donc, ils étaient une génération au début de 6, on a perdu une l'année dernière, donc ça fait un gros trou. Pour les élèves, suivre une scolarité dans le rural, c'est quand même assez différent de suivre une scolarité en ville, dans le sens où vous êtes là depuis 10 ans, vous. Ouais. Certains qui sont arrivés en petite section vous ont eu en fait toute leur scolarité. Oui, c'est différent, c'est une autre relation. On se connaît par cœur, ils me connaissent par cœur, je les connais par cœur, je connais les parents, ils me connaissent. Donc on est dans une relation quand même de confiance et on peut prendre le temps de travailler. On n'est pas à se dire en un an, il faut faire... rapidement les choses, donc je pense que c'est un confort. Si tout se passe bien, c'est un confort. Alors on le dit souvent, ces écoles dans les villages, elles sont importantes au maintien de la vie dans le rural. On sait qu'il y a des lourdes problématiques sur l'intérieur ici chez nous. Vous avez la sensation, vous, de participer, je dirais, au maintien de la vie quand même dans les villages? Je pense que s'il n'y a pas d'école, c'est compliqué de maintenir la vie dans un village. Donc c'est assez banal ce que je dis, mais... L'école, oui, c'est le poumon d'un village. Al di là de l'aspetto educativo, la scuola rinforza la leia fra i giovani tavaninchi. Moi, je suis de Folelli. Moi, je suis de Perugia de Vecchi. De Perugia de Vecchi. D'Ornetto.
e si u la rian sta in corso in paesi ancu dopo a scuola elementare. Si je pouvais rester ici à ma sixième, moi ça m'arrangerait. Ah oui, ça nous arrange. Hein. Il va falloir aller à la folie, hein. Ça sera un collège ici. Voilà. Collège à un lycée. Ils veulent pas faire un collège. Exact. Comme ça, on se connaîtra tous. Il faudrait un collège à Vélone. Oui. Et un lycée. Et un lycée aussi. Toutes les écoles. Même l'université. Voilà. C'est plus près. Ci siamo rinsegnati e prudietti di collegio, liceo e università un cine per avali passata vania, ma nessun dubito, si zitte di firmarani arraigati a usorudio.